Bref, ça a commencé il y a un an. Flashback. Voilà, peut-être que l'été prochain, je ferai de moi dans un refuge, dans ce magnifique panorama. J'avais un nouveau projet, travailler au refuge du col de Balme. Alors, j'ai appelé Henri. Il m'a appelé, je l'ai appelé, il m'a appelé. Il a dit oui! Et un nouveau monde s'ouvrait à moi. Ensuite, j'ai attendu. C'était long, mais ça a fini par arriver. Enfin, j'ai fait mon sac, sans vraiment savoir ce qui m'attendait là-bas. J'ai tourné le dos à mon petit appart lyonnais, j'ai pris un bus, direction l'aventure. Et tout a réellement commencé. Col de Balme, c'est là qu'on va. Yay! Prendre petit à petit mesure de l'espace où j'habite, de ses reliefs, de ses pics, de ses couleurs si nombreuses aussi, se sentir envahi de quelque chose qui me dépasse, le Mont Blanc perçant la mer de nuages comme un miracle. Il y a quelque chose de l'ordre du mystique dans ces roches nues, là où le monde du végétal est vaincu, celui du minéral est d'une beauté glaçante. Chaque météo ici est un petit miracle, un joyau sans cesse réinventé, le divin créé par les éléments. C'est toujours en montagne que j'ai fait les meilleures rencontres avec des gens. Et ils me donnent foi en l'humanité, dans un sens, mais aussi ils me donnent envie un jour d'être cette personne croisée sur un chemin qui... qu'on garde en souvenir. Le hasard heureux des rencontres. Sous le vent des cols, les sourires révèlent souvent l'âme épurée des cimes. Au creux des bras d'Éole, le refuge garde en son sein les marcheurs aux pieds fourbus, pour le plus grand bonheur de mon petit cœur poète, ou grand rêveur sans doute. Il y a Sosten et Mylorine en galère, face aux moutons. Thank you.
Je veux écrire les ciels troublés, parcourus de grandes ailes sombres, quand l'air chargé plonge dans l'ombre la fine dentelle des sommets. À ces lumières qui dissimulent des traits que le soleil accroît, à ces ombres qui, divin calcul, dessinent des courbes de surcroît, je vois bien plus qu'un parasite dans le nuage récalcitrant, qui gâche la vue aux passants, mais dont la présence inédite suscite un intérêt nouveau, un regain de fièvre poétique. Le ciel, le premier, m'invite à contempler autrement. Et si une semaine sans nuages, pour tous c'est un présage heureux, à mon œil c'est un naufrage, car le mouvement seul m'émeut. Ici, c'est un site d'empreintes de pattes de dinosaures. Les plus anciennes traces de Suisse. Je ne sais pas. Ok. Moi, je serais passé devant, on me l'aurait pas dit, j'aurais pas cru que c'était ça. Aujourd'hui, à presque un an, jour pour jour, je refais le buet. Je suis à contre-jour, super. Donc c'est mon dernier jour de congé. Et ma dernière rando de cet été, ici en tout cas. Et je suis très contente d'être là. Vraiment, c'est une joie. Les pieds ne cherchent plus leur chemin. Sauvages, ils savent où ils vont. Les doigts caressant les sommets, audacieux, trace des sentiers. C'est aux yeux qu'est donnée la tâche de rêver les arêtes qui masquent les glaciers. Quand les jambes ploient encore, soumises à la volonté du corps indomptable. Et ce miraculeux ensemble, en mouvement, ne sait plus arrêter sa danse, guidée par un je ne sais quoi de divin. C'est dans ma rue que s'achève ce vlog. Car voilà, je suis rentrée à Lyon. Et c'est la fin de ces aventures au col de Balme. Pour l'instant, j'espère, car qui sait. Et donc à bientôt pour de nouvelles aventures en montagne ou ailleurs, mais vraisemblablement en montagne. Bisous.